Dans Pékin Express, les candidats ont le droit à 1 euro par jour et par personne, mais on ne les voit jamais dépenser cet argent. Pourquoi ? Depuis la première saison de Pékin Express, les candidats doivent parcourir des centaines de kilomètres en auto-stop. Ils n'ont le droit qu'à 1 euro par jour et par personne. 1 euro symbolique qui leur permet de grignoter par exemple. Cette édition 2018 n'échappe pas à la règle, donc Stéphane Rothenberg distribue au début de chaque étape cet argent. Mais étonnamment, à l'écran, nous ne voyons jamais les binômes dépenser 7 euros. Pourquoi ? La production a répondu à cette interrogation. Tout simplement parce que la production, qui a des centaines d'heures d'images par étape, a choisi de ne pas montrer ces séquences. Les candidats sont tellement pris dans leur course que, souvent, ils ne pensent pas à faire des achats. Et s'ils le font, ces moments de break ont été jugés peu intéressants. En revanche, ils ne sont pas obligés de rendre ce budget quotidien à la production s'ils ne s'en sont pas servis et peuvent ainsi cumuler les euros non utilisés. Ce jeudi 2 août, place au 4e épisode de Pékin Express. Les binômes encore en course jouent pour se qualifier sur la prochaine étape qui aura lieu aux Philippines. Pour découvrir l'identité de ces candidats, il faudra se brancher sur M6 à partir de 21h.